ça me dépasse. Si le résultat est obtenu, ça, c'est formidable. Mon sentiment. Moi aussi, je lui ai mis un coup de cœur, vraiment. Là, je l'ai défendu, hein, vos livres. Et j'ai d'ailleurs dévoré à suivre le premier, alors que j'ai encore plus aimé. Ce que j'ai aimé, bon, déjà, bon, dans celui-ci, c'est bah, la période. Voilà, à l'ère victorienne. On s'y projette. Effectivement, là, je rejoins un peu Philippe, on s'y voit. J'ai aimé beaucoup les personnages. Je les ai trouvés très attachants, que ce soit les grands ou les petits. Voilà. S'attache, ouais, vraiment. Et puis ça m'a poussé à faire des recherches après, parce que moi je ne savais pas que Karl Marx avait un fils caché. Et donc ça m'a, j'ai été faire des recherches, ça m'a vraiment intéressé de découvrir ce. Et puis le personnage de Karl Marx, je l'ai découvert un peu plus. Ce qu'on raconte en fait, dans les deux, il y a la petite histoire au sein de la grande histoire. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans les deux livres. Des grands personnages de l'histoire, parce que j'ai trop peur qu'on dise bon allez c'est bon Spitzer on connaît, ce sont gimmicks, c'est toujours le même truc, il prend un personnage, tac, il va le revisiter, faut changer, ouais. Me mettre un peu en danger, parce que si, j'ai peur du ronron, bon ben, ça y est, on sait maintenant, c'est qui, c'est Napoléon, qu'est-ce que je veux dire.